Freeborn. Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Young Street Born. Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Young Street Born. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire certaines choses par rapport au truc bizarre de la vie. Parfois, les gens se posent la question de savoir, mais pourquoi est-ce que mes ennemis sont tout le temps proches de moi? Comment se fait-il qu'ils soient proches de moi? D'autres même se posent même pas de telles questions. Parce qu'ils ne le savent pas du tout. Ils ne savent pas qu'ils ont des ennemis. Ils se disent que tout le monde les aime, tout le monde les apprécie. Nous allons vous dire aujourd'hui pourquoi. Déjà, en premier lieu, vous devez savoir que c'est une chose qui a été prophétisée par Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit quoi? Il nous a dit dans la parole de Dieu que vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Vous aurez pour ennemis des gens de votre propre maison. Ça veut dire que normalement, ça ne doit pas t'étonner si des gens qui sont de la même famille que toi te combattent ou te disent des choses. Ça, les gens, certaines personnes ont déjà vécu ça. Oui, gens dans une situation où tu es et ce sont que des proches qui se révoltent contre toi, ceux-là même qui doivent te soutenir, là, ceux-là même qui doivent te pousser, ce sont ceux-là même qui sont en train de t'enfoncer. Si tu sais, tu es sauvé. Si tu ne sais pas, là tu as des problèmes. Dieu a parlé ainsi. Vous aurez pour ennemis les gens de vos propres maisons. Et c'est exactement ce qui se passe. Et puis, le diable et ses sorciers, ils ne peuvent que utiliser une personne avec qui vous avez des intimités pour vous attaquer, pour vous combattre. Ça veut dire que si le diable veut vraiment vous faire du mal, il ne va pas passer par mille chemins. Il va étudier vos relations. Regardez autour de vous. C'est avec qui vous attendez le plus afin d'utiliser cette personne contre vous pour que ça vous fasse mal. Oui. C'est comme c'est comme deux filles. Les filles, elles sont des jumelles. On ne sait pas ce qui s'est passé. L'autre jumelle est allée coucher avec le copain, mais on va dire que le mari de sa jumelle. C'est-à-dire la jumelle A est là, elle est mariée. Et sa jumelle B est ici. Et la jumelle B va coucher avec le mari de la jumelle A. Vous voyez que ça fait mal. Ça crée la séparation entre le mari de la jumelle A et elle. Là, ça l'a touché parce que c'est sa jumelle, c'est son sang. Voici comment le diable travaille aujourd'hui. Donc, il va passer par des choses comme ça, juste pour se cacher un peu. Si le diable te montre tes vrais ennemis, bon, t'es ceux que tu considères toi-même comme tes ennemis, si il les utilise contre toi, vraiment, ça risque de ne pas bien fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser les gens que tu aimes dans la famille pour pouvoir les avoir. C'est pourquoi, pour pouvoir te combattre. C'est pourquoi il ne faut jamais dire à quelqu'un, toi, tu aimes telle ou telle personne, puisque telle personne dans la famille, j'aime telle. Tu as dit que non, Jean, tu aimes plus ton petit frère ou bien plus ta grande soeur que tout le monde, comme ça. De telles expressions, ne les utilisez jamais. Parce que si vous dites ça de votre bouche, c'est le diable va prendre votre parole et ces gens-là pour venir contre vous. Ne soyez même pas étonnés que ceux qui étaient censés vous protéger maintenant soient devenus vos ennemis. C'est-à-dire que même si c'est ton père, le diable peut utiliser ton père contre toi. Faites très attention dans la vie. Faites très très attention. La seule personne en qui nous devons avoir confiance pleinement, c'est Jésus-Christ. Confiez-vous à Jésus-Christ. Arrêtez de vous confier aux gens. Arrêtez de vous confier aux gens. Vous confiez vos secrets ici, vous donnez vos secrets là-bas. Or, vous ne savez même pas quel problème se trouve derrière vous. Faites attention, mes frères et sœurs. Faites très attention. Les amis sorciers sont nombreux autour de nous et nous devons nous réveiller maintenant. Bon, ne vous inquiétez pas. Dans la prochaine vidéo qu'on va venir, nous allons en dire plus. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant
Partagez cette vidéo. Laissez vos j'aime. C'est parti.